élections, que ce soit ici au pays ou dans les 5 pays pilotes. Nous avons fini avec l'épidémie. Le déploiement juste dans les sites de vote et la formation des membres du bureau de vote et de formulation. Merci. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça. Et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats. Parce que maintenant, je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça. Si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. Balandia Congolais Télévision, l'invité au Kobeta Masson à 4 circuits démocratiques du Congo. Tozali à deux pas des élections à 4 circuits démocratiques du Congo pour que Mokao et Monene Congo Nabiso et va subir pour la 4e fois cycle électoral à 4e Mboka Nabiso parce que tu es mis que 2006, 2011, 2018 et 2020 décembre 2023 Oyo et vous allez avoir 4e cycle Oyo République démocratique du Congo à quoi atteindre. Est-ce Mboka continue la maturité politique tout aux alliés costa guinéna nous nous sommes à deux jours des élections à Katambo Kanabiso maponami ezalito ezalité et bon tout kotala banani ba ko préparer coup contre maponami République démocratique du Congo. De l'autre côté donc comment on a ma révélation sortie par Jean-Pierre Bemba mais nanga mon musuto comment on a alliance fleuve Congo et Salmi Bongo na ba Corneille nanga nous sommes est-ce que pour créer contrainte na maponami oyo ezali Bongo le 20 le mercredi 20 décembre 2023 t parce que nous sommes à deux pas il y a ma élection à 4 République démocratique du Congo. Ezali Bongo na mona mboka mon amboka Florent Manoka et le mona yetu kobeta masolo na 4 République démocratique du Congo parce que il sengel na bino bozala informé et informé à temps réel parce que le lo yopende to kobeta masolo bo le lo lundi 18 décembre 2023 ezali Bongo clôture ya campagne électorale o ezali Bongo seni a ko fiye bisana ba candidat nyo sote mokolo ya souk ezali le lo to komona Moïse Katumbi la Lubumbashi mon amboka Martin Fayulu asi a clôture ki na Saint-Thérèse hier le lundi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour clôturer fait à une campagne la Saint-Thérèse tout quoi et bagnon soit on a quatre émissions la mission le lundi Nazaline Sengo y a quoi maman mon amboka président Manoka Mbote na yo mon amboka Mbote na yo de Olivier Mbote pays na balanignon sur la Congo Live TV Mbote na équipe monnaie professionnelle ya Congo Live TV na PCP ba candidat nyo so ba candidat nyo so ba otiko banda presque un mois mobimba ba sali tourner bisika pe bisika tout le baba candidat président na ba candidat député nationaux provincial na ba niveau nyoso mbote na bango vraiment courage na bango na moni moko te ya lembaki na ba o nyoso na dai kotala surtout tête belecha yo za kanga moibi général kanga moibi na kata changu na moni pe ba glory talombo na moni ye moko numéro 20 pe na moni d'autres makasi atako lobby c'est ça qui meeting na kata kenge na butu après 21h, je crois que Mazam Zoto Makasi pe na komisi nzambe pona ngo. Na bandi ete na 4 République démocratique du Congo, mboka na biso, mboka oyo République démocratique du Congo, nous sommes à deux pas des élections na kati ya mboka oyo monene, deux jours pour que toi atteindre mercredi 20 décembre 2023, mon mboka tango ko tala maponami oyo timidement parce que moi contrainte tes alliés, belé na maponami oyo ba susu, ba zali toujours na kati ya contrainte maponami zali tes alités, tango ko mona yango, 4e cycle oyo mboka oyo République démocratique du Congo est quoi? Est-ce que Mboka atteint la maturité politique? Oui, maturité politique, Ezali, parce que après 3 cycles déjà, il y a ma économie. 4e, il faut que je sois guéri. Moi,
ba exigence moi mingi ba discipline ngalo ba discipline belé certainement ba tu ba kanisa ki ba linga ki ezala ndengi ba ngomba misani kozalelaka hein. Mais je vous dis que à chaque organisation ils en a ba exigence nango ils en a ba contrainte donc ba imprévu nango ils en a ba réalité nango ngala loba ba tu ba kanisa te ke soko lamba ki biloko il faut du makaka na guya o wana lamba ki parce que ba jour musu so lamba ki ezala ki na fraîcheur ba musu ezala ki na chaleur mungu eleka ki mungu ezala ki ba biloko nyoso wana esala ke mwa gu ezala un peu différent les loso ki nawa ki ba député ba candidat député baza ko se plaindre mbongo ezala ki te pouvoir battre campagne ya makasi moko musu so auti ko bimisa ba track na eka ka lobby pour ba na okabola na bi mais est-ce que Azalaki na mutu na ye ke abosana ki aza candidat to ayebaki ke aza candidat bongo osala na dernière minute ba fiche ba komi ko bamba à la dernière minute donc c'est pas bon na zolo ba ke ba élection ezali ko tambola malamu en dépit ya ba contrainte oyo seni akutani nango to pe gouvernement akutani nango na seni mais le 20 décembre je crois que oyo eza important ezali la date sera tenue l'élection pour Salama et puis Tokoyeba Nani à Okamba Bissou dans le micro des autres. Alors, Toyoki, le président Seni Denis Kadima, a confirmé Bissou que l'élection est allée bel et bien à travers conférence de presse Naye à Salaki et même rapporteur Naye Patricia Seya a confirmé bel et bien que le mercredi 20 décembre 2023, l'élection est allée. Mais moi, je ne sais pas, est allée sur Koyeba. Différence Nini. Oyo, ils allaient dans ma première Oyo, parce que tout le monde, ma première 2006, c'est longo, na mon amboka, Bemalumalu, 2011, na mon amboka, Ngoi Mulunda, et na 2018, na mon amboka, Corneille Nanga, Lelo Oyo, 2023, na mon amboka, Denis Kadima, ça fait 4 cycles, déjà, la 4e République démocratique du Congo, différence ni mes alliés entre les cycles électoraux Oyo, la 4e amboka, na Bissou. Bon, la plus grande différence, c'est que dans le cadre de l'organisation, au moment que dans l'économie, au Yakala, tout ça, il faut que national, provincial, na présidentiel, mais maintenant, balo, tu vois, c'est une élection locale, c'est-à-dire que municipale. Si Kawa puis Bao, bah ça, censé, il y a pour ça là, tout le parlement, il y a niveau communal, puis Bao, tu vois, vous allez, bah électeur, il y a probablement ça, bourgmestre. Et voilà, donc différence ma casse ça wana mais na côté organisation na outil koloba OK peu importe ba voyez comment on ne pouvait pas d'ailleurs au moment que na badate kiseni tout monde retourner dans ma délai constitutionnel je dis que il y a pas dans la constitution ce qu'on appelle délai constitutionnel c'est dit que délai constitutionnel ils allient par rapport à publication à seni seni ça la calendrier na après consensus dégagé topé après consultation à partie prenante à bimisi date wana nde ya mwana il faut ba trois mois na date wana ezali à peu près 5 ans après que to organiser ki élection et que jour wana tant toujours organiser ki élection ce qui a commis la date wana le pas le 20 décembre ba to basi ba tenir date ya le 20 décembre pour fin ya masolo ou ya quinquennat mususu to ba na pe masolo mususu siko tant to ke na maponomi seni muto to ta la seni. C'est ni ce qu'il a l'objet de l'autre, non, à deux jours habité. Et si ma soutien à date est le 20 décembre, tu commis dans le 22 décembre, bien le 24 décembre, ils ont un délai constitutionnel. Ils ont un délai constitutionnel, c'est comme ça que Nanga fait en son temps, à mon avis que non, vu la contrainte à côté d'un mot sécuritaire, tout ça, l'objet que bon, dans l'objet que l'élection, il vous a déjà tout ôté, il vous a date telle, et puis tout ça, là, qui a un mot, les collègues, il faut y quitter, on était là, mais Dieu merci cette année, c'est ni, pardon, l'objet que. Élection, c'est le 20 décembre. OK, nous allons le 20 décembre. À part la contrainte, et en dépit de la contrainte, on y a eu ce côté, on a eu la contrainte de sécurité, on a pesé ma casse sur le pays, la vie, mobimba ya pays. Et on s'est dit qu'à un certain moment, la distribution, il y a la kit électoraux, et j'ai eu un problème, il y a retard, parce que la contrainte sécuritaire, elle allait se poser. Allez, ça l'est que ma communauté nous a retardé. C'est comme ça que même la date ya souka, comme ça y a mopé, la moyenne en bandale, comme il y a le Lubumbashi, comme il y a le Palakuna, le Tapoubaïbaï, Moussou, mais voici Batindi déjà. Donc, déploiement, ils allaient pour ça les mains.
Le 1er mai, ils allaient le 20 décembre, ils allaient bongo. Situation actuelle, parce que juste après, vu le contraire, nous sommes à deux jours des élections. La République démocratique du Congo, la CENI n'a pas communiqué, probablement à un report. Il tient toujours à l'organisation des élections dans le délai. Mais moi, dans le cas, il y a la contrainte, parce que tu as mis déjà que contrainte du côté. Organisationnel, les alliés vraiment t'es parce que t'es, la CENI tient pour l'organisation des élections, mais contrainte mon sous, vous allez faire question à déploiement. Est-ce que le déploiement va quitter électoraux et ça les mettre, mon amour? On a dit que contrainte sécuritaire est à la qui, mais déploiement est au salem. Déploiement est au salem. Colanate va communiquer et inonda qui à Katia, les réseaux sociaux, à Wapo, à Wolo Bakeno, le cola. Déploiement et kit électoraux et ça limité, abondé dans tous les sens pour justifier le pessimisme et la banque que l'élection est causée à la tête parce que tout le monde était kit électoraux. J'ai dit que Ngaï Moko na Moni, mes gens aussi en Bandaka m'ont confirmé, dans le Lubumbashi m'ont confirmé Ngaï, na Moni Père, na Kinshasa, na Bisike Bélé, Centre Bélé, na Moni kit électoraux est commis. Donc, nous avons commis les 20 T, nous avons commis les 20 T, et les 19 T, mais les kits électoraux, ils ont déjà. On a besoin de formation, je crois aussi ça les lots, et par-ci, par-là, en tout cas, déploiement, ils ont pour ça les mots. Même les gens ont mis embarquement à Biloko, et qui ont une destination ding-ding, un gros avion et combi Biloko. Je crois que nous sommes dans les bons. La CENI tient pour la date, il y a les 20, et tout le monde se prépare. J'ai vu le numéro 20. À Sainte-Thérèse, à Zali, qu'on s'est déployé aussi pour nous convaincre, qu'on scelle l'amour au peuple. Naïe, si Babanda qui déploie depuis déjà 5 ans, je crois que Makamboza Kitoko, tout ira très bien. Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci et je préviens la population de ce qui est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très, très bien. Il le sait. Au moins, ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veux-tu dire qu'il n'était pas au courant de ça? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a 3 mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI? Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre
à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça. Et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. Oui, merci beaucoup. Je crois que Koyoka Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre en charge de la défense, a une explication. Azali Koptanda Polele. Ils ont tout dit que vous avez un acharnement contre la personne de Katumbi, mais Azali Koyoka Polele. Je m'étonne que quelqu'un qui est gouverneur, en tant que gouverneur, il y a grand Katanga, mais Azali n'a pas passeport diplomatique zambien. Non, non, mon amour. Non, mon atteint en 2013. Donc, ce qui m'a cambo, n'est pas Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas. Alors, quand je suis passé, parce que, en tant que Congolais, ce que j'ai un autre, je suis un autre Congolais, a commis Congolais, dans la circonstance où il y a un étranger, mais a commis un Congolais, parce que papa a opté pour la nationalité congolaise. Mais mon tango, comme on a eu, a eu sa nationalité zambienne, a eu sa nationalité kili. Et ça, à moi, parce que ce qui est un peu comme ça, c'est un peu congolais. C'est que tout le monde a eu un peu congolais, mais tout le monde a eu un peu. La personne de Katumbi fait mal. Pourquoi? Déjà, tant que vous avez eu un peu de crime, vous avez eu un peu de crime, vous avez eu un peu de crime, vous avez eu un peu de crime. Si go atako na nuko na mpewa sambati tu muna pina ke oui aza pina kondani me makamunyo soso monika e go bimara ko muna e baka nga très proche na ba telephone na e makambuka toujours il y a sécurité ya mboka na ke na ko muna e so ke moni bo moko bo e ko Katumbi aza derrière hein ça dit ko muna e aza derrière cité si go au moni te ke usa la mama bemi awa Jean Pierre Bemba à s'attaquer qui n'a été à tout n'a qui pas de soi, il y a une information aux Zambiens, l'opposant Zambien, qui a suscité les problèmes que, pour qu'à coup concerné, la terre qui a mon avis n'a pas prévu m'embêter, non, il y a une qui n'a pas prévu à mon ici, et ils aient comme il y a une voté, pas pessier, manouké, à ça, une campagne attaque les Congolais, pour certificat de nationalité témoignage, pour être en 2015. Mais, Mikoloka et Oumelité, tu veux comment là? Zambia wana abimisi makambalobi ke ba kondina ye ba sanctionner ba to ba pesa ki Katumbi passeport zambien. Ah, siko biso ba kolombo ka ba kolo Congo. Et sika pe Katumbi ya ngope aza candidat présidentiel. Siko ba to ba réagir ndenge. Fo ba to mi se fuma ma to fuma ma. To yoka to tout na Zambia wana, to tout na République de République ya Zambie, ba yisa biso likamongo eza ndenge nini. Nous nous sommes concernés. Et ça lokola ba yiba ke biloko. Il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été mis en donc, c'est un peu ça. Le souci, peur pas si y a des gens que l'homme ment facilement. Il y a des facilement. Car ce qui est le fait, le simple fait qu'un gouverneur, il y a la province de Congo, Azala. Na passeport diplomatique il y a Zambie et batounier na mena chaîne nationale internationale a wangana lobi ke nazala moti mais porte-parole na Olivier Kabila tout na média a répliqué tant que Jean-Pierre Massala qui m'a solo lobi ke aza na passeport diplomatique zambien au monde que na yé na porte-parole dans la cause. Moi, je suis président Manoka. Nous sommes dans le dernier virage, Oyo, campagne électorale est possible. Lelo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ngambo ya Sainte-Thérèse et pas yuapi, ako sala meeting na ye, a clôture ya campagne na ye, Moïse Katumbi ako sala na Lubumbashi, Martin Fayulu a Sibisaki déjà, tant que moni campagne électorale est salée, évaluation toni to analyse ni ko sala na campagne électorale pour que to kende to la contrainte mo sous ezali bongo ya alliance fleuve Congo oyoko kambuma na corner nanga na ba leader ya M23 de Olivier na ko sa yote
biso ba congolais to mesa na biso te oko salopa mindele misusu ba kosaka parce que ba européen na biso baza ba menteur mo pas possible ba neti ba monaki Emmanuel Ayakiawa au chef de l'état zone sa qui est na place président français dans la qui au monaki ango bango ila système na bango ba kosaka na ndenga mukite et des mots pour la Italie, mon sousso, ma Italie, avoir fait ma candidat, comme ma Congolais. N'a pas eu, c'est que campagne électorale, il y a qui campagne, il y a qui affaire des Congolais. Et le chef de l'État, le candidat numéro 20 dans l'élection présidentielle, a mon ici un mot ferveur, Jean-Pierre Bemba, son excellence VPM Jean-Pierre Bemba. N'a pas eu, c'est que mon conduit, Félix Antoine Tshisekedi de l'équipe, a talissi batou polele naye. D'abord, élément important, je l'ai même regretté aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui, Katumbi pourrait se ressaisir à la Xabatou. Moi, si Oyo, partout ici, Katamboli, dans presque 14 provinces, Oyo, va exiger à la Xabatou. Moi, si Naye. Oui, que moi, c'est mon amitié. Quel est l'habité candidat, président Nini, autant à la paix, dans ma photo, dans ma boca, candidat Nini présidentiel, puis Aboya, Abouma, moi, si Naye, dans la chambre, il y a tout le temps, il y a tout le temps, kuna na zola mbela kayo na zo kipeki ba nai nai makasi utaka pa ba mama nengi na zo kipe makamu nai pour quelle raison mama madame chère épouse ya Katumbi a monanité na foule comment te kiza ça bon moi te kiza yelo komo izo na kati wa pour quelle raison tu sais que dans l'axi moi si na ebole fayolo kutu bravo a fayolo. Il faut dire mes félicitations à Martin Fayoul. Moi, si je suis camerounaise, je suis surtout camerounaise. Mais à la qui s'y est, c'est pour moi qui apprécie bisous. C'était bien. Et le peuple ne l'a pas condamné pour ça. Pour quelle raison, moi, si je suis au bon nanda, ok, campagne, Kosaka Batou, nous surtout dans la province. Et vous avez vu, c'est ce que le VPM et Jean-Pierre Bemba a réagi. Au moins qui d'abord l'image avec beaucoup tout le monde bon je crois que c'était l'ego de son de sa campagne la casse qui s'engage mais pourquoi qu'on traiter ma image qu'on gonfler et puis qu'on le servir dans vos bateaux moi je n'avais pas compris la qui s'engage quand les messieurs au bazar qui sur place bah moni na image bah au bazar qui na les réseaux sociaux na au bah au bazar qui na au sur le terrain. Mais pourquoi mentir aux gens? Je suis venu bien né à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, tant on a na vivre en haut. Et puis, bazo l'examen à Nyota TV en direct. C'est Nyota seulement qui a le droit aux images en direct. Et puis, je traiter ba Tindipa ya les autres chaînes, dont Digital ou Télé 50, tout ça. Tant bazo Tinda Ngo n'est déjà traité aux hommes à l'image, batubeli. Mais en réalité, ils allaient qui n'a pas tout. Nous avons vu les véhicules, les sigamis tout qui étaient les magasins à 4 terrain. Les sigamis tout qui ont été comptés, les magasins à 4 terrain. C'était à 4 terrain. Mais tout le monde a. Mais pourquoi on s'en bat? Les lots, clôture, il y a les lots. Pour que mon banani, tout. Félix, ça va déjà dans Sainte-Thérèse. Candidat ni dans la population côté naé. Et candidat Nini à Kosakaba. Tout le monde, Martin Fayoul, place carton de Sagui de Sainte-Thérèse. Martin Fayoul a fait carton plein. Les lots, il finit sa tante, je sais que tu l'as beau. Est-ce qu'il fera carton plein? Fayoul n'a pas quitté parce que je connais Fayoul. Je connais Fayoul, il y a Goma, il y a Goma, il y a Maki, mais au moins, il y a Katumbi, il y a Boyaki. Katumbi. Et puis, bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui. Vous savez que Fayoul, c'est un brave homme. Aïe, tu n'as qu'à ça, à braver, puis n'a qu'à ça, et quoi, à ça, et puis n'a qu'à ça. Mais pourquoi quand tu me mets qu'à ça, Félix, c'est qu'il y a un est, un grand nord, qui est un est, qui est un tamboli. Le col est pas naï, le col est pas naï. Pourquoi quand tu me mets ça, il y a un peu. Mais les lots, nous sommes à deux pas de l'élection à la République démocratique du Congo. Ce qui les lots, clôture la campagne Pedro Salima, les lots, message ni n'est pas. Drainage ni oyo candidat pe akoki pe ko rassurer population naye quant à maponami oyo ezali le mercredi à deux pas à deux jours il y a le 20 décembre 2023. Un pays malade il faut bobeta le solo ya hôpital. So muta malade grave
isolés à l'année à l'hôpital Mindoro qui n'est ni à cause de soins pas en public. Tout ça là, tout est à part, tout est à côté. Le pays, le Congo est malade sécuritairement. Maintenant là, vous voyez, tout le monde cherche à donner de la mort aux Congolais par tous les moyens. Seuls les dignes fils du pays, comme les Jean-Pierre Bemba, les autres ici, Mbusa Nyamwisi, Papa Mboso, ils sont nombreux, Liaou, tout ça. Ils sont en train de se mouiller, de mouiller les maillots derrière monsieur, le président Félix Tshisekedi pour couper sa Lego na Kimia et Mboka Nabiso. Nous avons que tous ces soudés, les Congolais doivent être unis. Comme l'a dit le chef de l'État partout où il est passé, tous à la ensemble, tous à la unie, déboulonner les systèmes. Il y a Munguna, tcha a pour nous semer sécurité, insécurité. Insécurité, oyo, balota, kandoto, mikolonio, sopo na pour kabulango, loko, la mapa, a na kacha Congo, basoma, rabamoussous, na wambongo, basali, ko yanango, na ba système, yaba ONG, na ba organisation, dingue, pour nous semer trouble, na ba désolation, a. Ba Congolais, basi, ba nyoko, mingi. Depuis Mundele, Belge, Bomaka, Awazokata, Watma, beaucoup pour la caoutchouc, puis pour la coton. Aujourd'hui, c'est pour les minéraux de l'Est et du pays, Nabiso, les Bazali, Kounio, Kounabiso, puis Balingi, à tout prix, va obtenir ces sessions, topé balkanisation, Oyo, Topo, Télé, Melakayango, Nabiso, Naboko, Kounabiso, Nanzambelikolo, Topo, Télé, Melakayango, jusqu'à ce que To bouté par l'ennemi dehors. Donc, les élections, Topo, Salayango, les campagnes et les qui déjà, et aussi la Lélo, les candidats n'ont pas à la pour la unité. Ou ils ont pour les anges du diable, ils ont pour la diable et pour la moto pour la Congo et la Kimia. C'est ça ce que je peux dire. Message n'y est allé la population congolaise. Lélo, nous sommes à deux pas des élections. Le mercredi 20 décembre, sauf imprévu, la CENI nous confirme les élections, la tenue des élections. Et au centre, nous sommes au moins à 6 heures juste. Et puis, vous allez fermer à 17 heures juste. Au Congolais, vous allez inviter la Rokende pour tirer du bulletin à Bangoya pour finir la machine, comme une bulletin pour tirer la urne. Message n'y est allé la population congolaise à deux pas, à deux jours des élections. Ba Congolais nyoso ba yebi baza déjà averti kaka ndenge boyambaki le candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo partout et sika le kanaki na ba mboka nyoso na ba mboka kati j'ai aimé que le président ait été na ba bulungu na ba mbanzangungu na ba mboka na ba nkamba na ba wapi donc akendaki. En tout cas, ça c'était une très bonne chose. J'ai vu la grande bande de vous savez que numéro 20, bon, tangi bino bokanga qui déjà numéro 20 dans mon tour, c'est que vous avez lancé un message na banguna oyo ya mindele bazali na posa ya ko imposer candidat na bango awa na Paul Kagame oyo na ko imposer candidat na bango awa a échoué. Donc vous avez lancé un message très fort en faveur de notre président de la République contre les adversaires de notre pays, les ennemis de notre pays. Tout ce qu'on a soudé, tout ce qu'on a malin, bêtis, jour à les 23 ans, là-bas, il y a un numéro 20, il y a un papier 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 numéro 20, ba organisation moko mabe po abimisa ba résultat ya lokuta biso tokozala wana du matin au soir oto yeba makamuni nikoleka ba afficher to mona ndenge numéro 20 aboko pembe oyo tokotombola ye na chipoyi ataza wana te tokomisa ndi nzambe oyo apesi biso elonga oyo mokolo ya 20 le 20 tokosate pe tokocelebrer yango Congo mobima pe na bakongolo baza na libanda ya mboka. On va pouvoir voter les 20 ou on a pour célébrer un mobile sur tout ensemble. Pour bako qu'on a biso bako fa ba mon até que basala ki musala ya pambaté. Pe nzambe to komisa ye pour combat oyo ezalinde elonga na ye mutapisi biso victoire wana.